Eh bien, salut à tous, c'est l'Espinet 353. Aujourd'hui, on se retrouve sur le fameux DLC Naval Strike. Le fameux DLC tant attendu et en fin de compte, eh bien, qui est un peu pas à la hauteur des espérances des joueurs. Largement pas. Mais il y a de quoi se faire plaisir quand même. Bon, je vais sortir de là parce que je sens que je vais mourir en tant que passager. Donc ouais, je suis sur la map Brise-Lame, ouais, c'est ça. Brise-Lame. Brise-Lame, lui, il est mort. Brise-Lame a un assaut porte-avions. Petit assaut porte-avions. Alors lui, il est ouvert ou fermé? Pour l'instant, il est en train de faire quelque chose. Donc on se retrouve tous ensemble pour une petite découverte de ce DLC. Malgré que moi, de mon côté, j'ai joué quelques games. Histoire de pas être trop dépaysé. Ouais, ils sont là-bas à droite. Bon, je sais pas où ils sont. Même pas des hit markers. Wouah, super, je suis ici et je reçois encore des balles qui arrivaient de là. Ok. What the fuck? Netcode de merde toujours. Bon, faut dire que je suis à tra... Ouais. Je suis entre 30 et 50, ça dépend d'où je suis. 30, c'est quand je me reçois des balles, tout ça. Et voilà. Ça commence un peu à être à chier. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Ah, il est dessous. Donc là. Donc voilà, DLC tant attendu, enfin tant attendu par les joueurs qui aiment tout ce qui est bateau, mais bon, enfin, tout ce qui est bateau, tout ce qui est mer, quoi. Et en fin de compte, sur la version PC, hein, je parle, parce que nous, en tant que joueurs PC, on a eu le DLC en tout dernier. On a été les derniers à le recevoir, parce qu'apparemment, ils ont découvert au dernier moment, je sais pas, ils ont découvert ça. Oh tiens, je prends mon café et je découvre un bug. Donc ils nous l'ont retardé d'une petite semaine, je crois que ça faisait 6 jours. C'était le mardi en fait, ils nous ont filé le lundi d'après. Donc apparemment ils ont corrigé des trucs, mais c'est tout aussi buggé, enfin buggé. Passez-moi l'expression, mais il y a quelques bugs encore, comme j'ai pu le montrer. Dans certains tutos de mes l'évolution. Dans certains tutos de mes l'évolution. Comme l'eau qui bug par là-bas, là où il y a des portes automatiques. Et j'ai montré aussi un bug graphique, mais ça c'est plus de mon côté, je pense, où Nvidia n'avait pas trop mis à jour leur carte. Bon, excusez-moi si je fais pas trop de frags, mais réfléchir et tuer du monde. Sans se faire tuer, c'est assez compliqué. Essayez-vous et vous m'en direz des nouvelles. Bon, je vais passer par là, mais ça sert strictement à rien. Ok, le parachute qui m'éjecte sur le côté. Ok. Bon, on va aller sortir de ce guet-apens. Donc voilà, bref, ça me saoule, ils ont attendu une semaine pour qu'en fait le jeu soit toujours buggé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah ouais, ça doit être à gauche. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez de ces bugs, enfin sur la version PC, hein. Parce que vous console-le. À part pour la Xbox One ou ouais, à part pour la Xbox où vous avez attendu je crois 3-4 jours de plus quoi.
Mais nous on a attendu encore un petit peu plus, donc je sais pas, donnez-moi votre avis sur ces bugs de sur le DLC Naval Strike. Pourquoi il y a plus de bugs sur ce DLC? Je n'en sais strictement rien. Donnez-moi votre avis, moi je vous donne mon avis, donnez-moi aussi votre avis. Je pense que c'est comme ça aussi une communauté sur YouTube, c'est pas que de mon côté où je peux donner mon avis. Donc là, il faut aller à l'abordage là-bas. J'avais pas vu. Pardonnez-moi. Donc voilà, je pense qu'aussi qu'une communauté YouTube sur une chaîne, c'est pas qu'à moi de donner mon opinion. Par contre, j'aurais bien un véhicule, les gars. Tu peux pas m'amener, toi, là-bas? On va essayer d'aller là-bas. Mais bon. Ah, j'ai fait du 1-1. Ah, il y a quelqu'un qui capture le drapeau. DLC vraiment sympathique. Mais le... Ouf, petit freeze. Mais l'assaut porte-avions... J'ai joué 2-3 parties, je me suis dit, mort. Mais putain, mais ça n'a rien à voir avec le mode Titan de BF 2142. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne, allez voir au cas où. Mais ça n'a absolument rien à voir, mon dieu. Il disait là, ouais super, on va redécouvrir le fameux. J'ai entendu une voix, mais le fameux mode Titan de PF 2542. Et en fin de compte, il n'en est rien. C'est juste en fait de la conquête et de la ruée, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Alors là, je sais pas vous. Je pense qu'on va mourir. Alors je me concentre parce que l'autre il a dû respawner sur le drapeau pour se venger. Non. Attendez, attendez. Je suis en plus un ingénieur. Il a pas voulu se venger le gars ou quoi? Il va attendre que. Ok, si. Si, 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 il veut se venger. Alors attendez. On va juste capturer. Super. On va essayer de le contourner par le haut. Yes! Oh, il y en a un autre là. Je l'ai vu. C'est toujours le même. Ah, il a pris la mitraillette, le bâtard, je crois. Je l'ai vu sauter. Bon, on va se casser. On va aller là. Je crois qu'il n'y est plus. On va aller là. Ok. Le commandant me voit. Pas du tout où il est. Bon, on va se barrer de là. Il n'y a pas de véhicule. Il a dû me spotted. Ah, il a recapturé le drapeau. On va jouer longtemps comme ça au chat perché? Ouais, il a dû. Ouais, bon, on se casse. Non? Bon, on va pas se casser, je crois alors. Il est juste là, ouais, je l'ai vu 3 secondes. Ouais, j'ai une arme. Putain, tu m'as fait peur. Oh merde, le bâton. En plus, on n'a pas de véhicule. Ah si, il y a un véhicule maintenant, mais... Bon, ok. On n'avait pas de véhicule. Bon, tant pis. C'est pas grave. On n'avait pas de véhicule. Il n'y a rien qui spawn, là. En plus, je crois qu'on se fait gangbang. Hop. Petit navire. Non. Tant pis. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Prochain... Ok. Bug Naval Strike. Tout va bien, on se fait gangbang. Gangbang, 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 gangbang. Notre porte-avions est vulnérable. Je crois qu'il y en a un là. Non? C'était quoi ça? Si, si, il y en a un. On va essayer de le buter.
Non, il est pas là. Non, trop loin. Je crois que c'est le gros bateau. Le bateau. Bateau d'assaut. Ok. Ok, je suis bloqué contre le navire, super. Les bugs, ça y va. Ouais, merci de m'ouvrir les portes. Très aimable. Putain. En gros, j'ai plus de balles et une seconde après, il meurt. What the fuck? Bon, on va essayer de protéger. Il n'y a personne pour protéger avec moi. Super. Les gars, si vous connaissez pas le mode Titan de BF2142. Il y a plus de teamplay sur, sur BF2142. Et on a gagné. Bon. Les games durent combien? Je sais pas. Ah ouais, là maintenant c'est inversé. Avant c'était bien puisque ça commence à 0, maintenant ça commence à 30 ou à 50. Bref, c'est inversé, c'est pas grave. Les gars, je sais pas comment ils font pour faire du 22. Enfin, il a quitté, mais on a vu à une seconde, je crois pas. Il faisait du 22-10, un truc comme ça. Je sais pas comment il a fait. Bref, je vais vous filmer encore quelques games. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. En tout cas, je vais mettre pause ici. Comme ça, ça fera une petite vidéo de 10 minutes. Je sais pas combien ça dure. Et moi, je continue à filmer. Donc, vous verrez sûrement d'autres vidéos dans les prochains jours. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un pouce vert ou bleu, je sais plus combien ils sont, et de partager votre avis sur ce DLC dans l'espace commentaire. Allez, à très bientôt. Ciao à tous.